La douzaine d'expressions. Thème. Gifle. Gifle. Une gifle est un acte physique de violence généralement infligé en frappant quelqu'un avec la paume de la main ouverte sur le visage. Cette action est souvent utilisée pour exprimer la colère, le mécontentement ou le désaccord, et elle peut avoir des conséquences émotionnelles et physiques pour la personne qui la reçoit. Les gifles sont souvent considérées comme inappropriées et offensantes, et elles peuvent être un moyen de domination ou de contrôle dans certaines situations. 1. Mettre une gifle. Donner une tape sur la joue de quelqu'un avec la main ouverte. Exemple. Il était tellement en colère qu'il lui a mis une gifle. Après la dispute, elle lui a mis une gifle en plein visage. 2. Recevoir une gifle. Se faire donner une tape sur la joue. Exemple. Il a reçu une gifle après avoir dit quelque chose de déplacé. En provoquant le garçon, elle a reçu une gifle en retour. 3. Claire comme une gifle. Être très évident, ne laissant place à aucune ambiguïté. Exemple. Sa réaction était claire comme une gifle. Il n'était pas d'accord. Après son explication, c'était clair comme une gifle que nous avions tort. 4. Gifle du vent. Sensation d'un coup provoqué par un vent violent. Exemple. En sortant de l'abri, il a ressenti une gifle du vent. A la montagne, la gifle du vent est vraiment forte en hiver. 5. Se gifler soi-même. Se donner soi-même une tape sur la joue. Exemple. Découvrant qu'il avait oublié ses clés, il s'est giflé lui-même par frustration. Pour se réveiller, elle a eu l'idée de se gifler soi-même. 6. Gifle moral. Recevoir une déception ou une surprise désagréable qui est comparable à une gifle. Exemple ⁇ La trahison de son ami a été pour lui une véritable gifle morale. L'échec de son projet était une gifle morale après tant d'efforts. 7. Sonner comme une gifle. Quelque chose qui retentit fortement ou qui est très surprenant. Exemple. Sa critique a sonné comme une gifle en plein visage. L'annonce de son départ a sonné comme une gifle pour l'équipe. 8. Retourner la gifle. Rendre un coup après en avoir reçu un. Exemple. Elle a retourné la gifle après avoir été frappée. Il n'aime pas la violence, mais cette fois-ci. Il a retourné la gifle. 9. Sentir la gifle venir. Anticiper une réprimande ou une situation désagréable. Exemple. Vu son regard, je sentais la gifle venir. Quand il a commencé à élever la voix, j'ai senti la gifle venir. 10. Donner la gifle du revers. Frapper quelqu'un avec le dos de la main. Exemple. Furieux, il lui a donné la gifle du revers. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse lui donner la gifle du revers. 11. Gifle en plein visage. Recevoir un coup directement sur le visage. Exemple. Les paroles de son ex étaient une gifle en plein visage. La nouvelle inattendue a été comme une gifle en plein visage pour lui. 12. Encaisser la gifle. Subir un coup, une déception ou une situation désagréable sans réagir. Exemple. Après la critique, il a encaissé la gifle sans dire un mot. Elle a encaissé la gifle, mais je savais qu'elle était blessée à l'intérieur. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans une petite ville où le ciel était clair comme une gifle, un homme du nom de David. Il était connu pour sa franchise brutale et sa tendance à donner la gifle morale à quiconque croisait son chemin. Son langage tranchant sonnait souvent comme une gifle, et il ne se gênait pas pour mettre une gifle verbale à ceux qui ne partageaient pas son point de vue. Un jour, David se retrouva dans une dispute avec son ami d'enfance, Marc. Leur désaccord devenait de plus en plus intense, et David pouvait sentir la gifle verbale qu'il s'apprêtait à donner. Cependant, cette fois-ci, Marc, fatigué des gifles morales constantes de David, décida de retourner la gifle. Avec une calme fermeté, il exprima ses propres convictions et donna à David une leçon de respect mutuel. David fut surpris de recevoir une gifle morale en retour. Il réalisa que ses actions passées l'avaient conduit à cette situation. Sentant la gifle venir depuis longtemps, il décida de s'auto-évaluer. Il commença à se gifler lui-même mentalement pour sa conduite passée et décida de changer. Il s'excusa auprès de Marc et s'engagea à être plus compatissant et à ne plus mettre une gifle morale à qui que ce soit. Au fil du temps, David apprit à encaisser la gifle de l'humilité et à s'améliorer en tant qu'ami et individu. Il comprit que la clarté n'était pas toujours synonyme de brutalité, et il devint plus doux dans ses interactions. La petite ville finit par voir un changement positif chez David, et son langage ne sonnait plus comme une gifle, mais plutôt comme un échange respectueux. Cette expérience lui rappela que parfois, il faut recevoir une gifle pour comprendre l'importance de traiter les autres avec bienveillance. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.